Bonsoir, nous sommes des élèves de Terminal SKMG au lycée Anne-Marie-Javoué à Cayenne, en Guyane. Nous allons parler de l'Union européenne. L'Union européenne a déjà relevé de grands défis sur le plan social, économique, culturel et politique. L'Union européenne a apporté plus de 50 ans de paix, de stabilité et de prospérité. Elle joue également un rôle très important dans la diplomatie et cherche à apporter les mêmes bienfaits ainsi que la démocratie, les libertés fondamentales et l'état de droit dans le monde entier. Cependant, il en reste quelques points à améliorer. Voici les solutions que nous proposons pour vivre mieux dans l'Union européenne. La diversité et de l'inclusion dans l'Union européenne est essentielle pour favoriser une société harmonieuse. Premièrement, encourager l'éducation interculturelle, mettre en place des politiques d'égalité, la mise en place des procédures d'asile plus rapides et équitables pour tous les immigrants, la lutte contre la discrimination sont des éléments clés pour construire une communauté dans l'Union européenne. Pour une Union européenne sans discrimination ni préjugés, il faut que tous les pays qui s'intègrent travaillent pour une Union européenne vers l'avant. Un renforcement politique, une amélioration dans le fonctionnement du travail, résoudre les problèmes du racisme, chronique envers les migrants clandestins. Les inégalités se renforcent dans l'Union européenne. Beaucoup d'attentats et suicides, de préjugés et de harcèlement. Ces problèmes incluent des disparités économiques, des différences d'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, ainsi que des variations en matière de niveau de vie. Pour lutter contre les inégalités, il faut faire des ajustements sur les politiques sociales, économiques et éducatives. De nos jours, l'Union européenne fait face à de nombreux problèmes, tels que la délinquance des jeunes. L'Union européenne peut adopter une approche multidimensionnelle pour réduire la délinquance des jeunes en mettant l'accent sur l'éducation, l'emploi et le soutien social. Cela inclut des programmes de prévention, des opportunités d'emploi et des initiatives communautaires pour créer un environnement favorable au développement des jeunes. L'Union européenne doit accompagner les jeunes et les encadrer, car les jeunes sont le présent et l'avenir. L'Union européenne joue un rôle crucial contre le climat et l'environnement, avec des politiques ambitieuses qui produisent des gaz à effet de serre. L'Union européenne fixe ses objectifs pour 2030, avec une réduction de 55% par rapport à 1990. Avec la transition européenne et économique, l'avantage, elle vise à réduire la consommation des ressources recyclées et contribue à préserver l'écosystème. Malgré cela, la mise en œuvre effectuée par la politique des environnements en besoin de connaissance des États, lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement à long terme, déterminé pour construire un avenir durable. Égalité en action, justice pour tous. Vive l'Union européenne, vive la France, vive la Guyane, pour un avenir meilleur.